Salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager et à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer les petites notifications. Et moi je vous laisse là-dessus, bonne vidéo. Salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Glitch. Donc pour cela en fait les gars, on va réaliser un concours en même temps. Donc regardez bien la manipulation les gars, j'ai fait le gameplay et j'enregistre ma voix juste après. Donc voilà les gars, donc vraiment aujourd'hui je vais vous faire gagner une case Save Wizard. Donc pour ceux qui savent pas les gars, je vais vous afficher évidemment le logiciel juste à l'écran. Donc une photo de ce logiciel. Donc voilà, vous voyez qu'est-ce que c'est. Donc c'est pour modder sur la PS4 les amis, donc sur plein de jeux. Donc là comme vous voyez au gameplay, je suis avec Michael. Donc vous devez avoir la save qui sera aussi dans la description pour faire cette manipulation. Donc regardez mon ancienne vidéo, c'est exactement la même sauvegarde qu'il faut. Et voilà les gars. Donc dès que vous avez fait ça, vous allez prendre votre personnage. Regardez bien, pour ma part, j'ai pris le Spearangers. Vous allez ouvrir votre menu d'interaction. Vous allez dans paramètres et vous allez mettre l'invincibilité. Dès que vous aurez mis l'invincibilité, vous allez quitter le mode réalisateur. Et pendant ce temps, normalement, les gars, ça va vous faire respawn n'importe comment dans les airs. Et ça va vous tuer, regardez bien, par la suite. Regardez là, les gars, ça va me faire tuer. Donc voilà. Donc les gars, je vous ai passé ce moment d'accéléré. Donc voilà les gars, je vous ai passé ce moment en accéléré dans 10 à 20 secondes les amis, ça sera évidemment en accéléré. Comme ça là vous voyez bien la manipulation. Donc les gars, moi je vous invite vraiment à vous abonner, à liker, car le résultat de ce concours pour gagner la key Save Wizard se réalise à les 5000 abonnés. Et les amis, je vous invite vraiment à liker au moins les 100 likes à cette vidéo et au moins 50 likes sur mon commentaire, on va dire minimum 20 likes, ça fait évidemment super plaisir. Regardez bien le commentaire que je vais mettre. Et voilà les gars, lisez bien aussi la description, n'hésitez pas à aller voir les chaînes qui seront en description et à vous y abonner, vraiment. Donc là, regardez les gars, vous allez voir le menu quitter. Donc comment j'ai eu le quitter. Donc les gars, pour avoir quitté, en fait, c'est très simple. Vous allez, dès que vous êtes avec votre personnage, bah dès que vous avez spawn les gars, vous allez cliquer sur le bouton PS, vous allez chercher dans démarrer du GTA 5, vous allez dans activité. Dès que vous serez dans les activités, vous allez chercher quelqu'un qui a fait un braquage ou acheté un véhicule. Dès que ceci aura braqué, dès qu'ils auront braqué ceci, les gars, vous allez cliquer dessus, c'est écrit lancer GTA Online, vous mettez votre QR dessus et vous cliquez deux fois sur le bouton PS. Et dès que vous aurez spawn, à chaque fois que votre personnage va crever, les gars, vous avez juste qu'à faire cette manipulation. Vous savez, à appuyer deux fois sur PS, à faire lancer GTA Online, et voilà. Et là, à chaque fois, vous voyez le message, vous devez faire non, dès que ça fait un écran noir. Et dès que, regardez bien les gars, là, bientôt, normalement, ça va me faire respawn à l'hôpital. Regardez bien, juste ici. Là, normalement, j'attends, et là, voilà, là, normalement, je respawn à l'hôpital. Donc les gars, si vous avez ça, c'est que le glitch a bien fonctionné. Donc voilà les gars, je me répète, mais bon, vous devez également avoir mis un pouce bleu à ce live, à cette vidéo, au moins les 100 likes, 20 likes sur mon commentaire les gars, avoir mis un maximum de partage, être abonné et tout les gars, donc voilà. Donc désolé les gars, mais j'ai mis des moments en accéléré, il y en a qui sont pas en accéléré, c'est pour voir le bon timing, donc voilà. Bon voilà les grilles. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Regardez bien à la fin et voilà les gars. Pour ceux qui ont liké Save Wizard, vous avez juste qu'à mettre dans les commentaires hashtag je participe, 2 points et un message de remerciement. Donc les gars, voilà. Donc la vidéo, et aussi j'ai oublié de faire pour ceux qui sont avec moi, donc dédicace à Léo et à Thomas qui sont avec moi dans la partie, dans le Discord. Donc voilà les frères, j'espère que vraiment cette vidéo elle vous aura plu au maximum et que certains de vous pourront modder évidemment maintenant sur la PS4. Donc les gars, sur ce, c'était Popo, je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo ou un nouveau glitch ou autre les amis. Sur ce les gars, c'était Popo, je vous laisse à la fin de cette vidéo. Allez, ciao, bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London
to Taiwan. I've been